Bien, je vous amène ici pour qu'on discute, donc on va discuter. C'est promis? C'est promis. On va essayer. Bon, déjà, est-ce que vous voulez pas essayer de vous rapprocher un petit peu? Bah pourquoi faire? On est bien là. Vous êtes sortis ensemble pendant 2 ans, c'est pas rien non plus. Ah ouais, j'ai tenu tout ça. Qu'est-ce qu'il a dit là? Tenu? C'est qui a tenu là? Ça y est, elle recommence à parler comme une cassos. Mais je Non, on t'emmerde! commence pas! On vient de commencer depuis 20 secondes et vous êtes déjà en train de vous insulter. Bah en même temps, faire différemment avec Alwena, c'est difficile. Mais quel connard! T'es vraiment un connard! Dis quelque chose parce que là, je vais me déplacer et je vais la gifler. Bah vas-y! Viens frapper une faible femme! Non, Alona, on va peut-être pas faire dans la caricature là. Par quoi on commence? Bah, par le début, ça pouffe! Tu parles de qui là? Bah, Louane, t'en connais d'autres? Alors tu arrêtes d'appeler Louane la pouffe, déjà? On est là pour essayer de comprendre. Jimmy? Bah j'ai rien fait. Tu peux répéter ce que tu viens de dire là? J'ai rien fait. Bon, Jimmy, tu peux pas nier le fait qu'il y ait un petit contact entre elle et toi? Il y a eu contact ou pas? Ouais, un léger, enfin un frôlement. Bon, Jimmy, un frôlement de combien de temps? Parce que. Ouais, de combien de temps? Eh ben j'avais compris la question. Je sais pas, une soirée. Une soirée. Bah après ça dépend, peut-être que tu t'es endormi très vite. T'es en train d'insinuer qu'il a dormi avec elle? Je te pose une question. Bah non, je pense pas. Qu'est-ce que tu sais que je ne sais pas, Roman? Ah bah moi je sais ce que vous m'avez raconté, hein. Et qu'est-ce qu'il t'a raconté, l'autre? Bah que t'avais passé une bonne soirée avec elle, mais que t'étais pas dans ton état normal, c'est ça? Ah, parce qu'en plus, t'étais pas dans ton état normal. Ah oui, donc là, ça se trouve, bah, Louane va être maman, quoi. N'importe quoi. Alona, tu trouves pas que t'abuses un petit peu avec tes conclusions, là? En même temps, c'est vrai, je parle de ça avec toi. Mais bon, enfin, t'es comme elle, quoi. Pardon? Roman, la parfaite Roman. Tu fais jamais rien, toi. Puis bon, ça se trouve, t'es sortie avec elle, toi, non? C'était une question, Jimmy. Mais j'en sais rien, moi, demande à Roman. Au départ, on parlait de Louane. Attends. Attends. Vous êtes pas en train de me dire que vous êtes sortis ensemble dans mon dos, quand même? Personne t'a dit ça. Non, mais c'est quoi ce silence? Roman? Alors ça fait beaucoup de peine que tu penses à de moi. Ah non, mais je m'en fous de ta peine. Jimmy. Tu vois comment tu démarres là? Donc je te lis droit dans les yeux, je ne suis jamais sortie avec Jimmy. Mais alors, pourquoi vous faites votre truc là? Parce que je voulais voir ce que tu pensais de moi. Maintenant, je sais à quoi m'en tenir. Tu vois, moi j'étais venue pour arranger vos histoires et puis bah. Comme d'habitude, tu gâches tout. Parce que pour Louane aussi, je me suis plantée. Bah évidemment. Je suis désolée, mon bichon. Non, par contre, là, ça craint, Luna. Je t'avais déjà dit de pas m'appeler comme ça devant les gens. Bah oui, mais. Bah ça craint. Attends, mon bichon!